Et coucou mes petits renardos, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons sur la suite de Hyrule Warrior et nous allons partir sur le scénario de Linkle et voir un peu comment ça se passe de son côté puisque son scénario est plus ou moins lié à celui de l'histoire principale et je vais pas en dire plus, je vous laisse découvrir pour ceux qui ne connaissent pas son scénario. Donc on y va. Donc elle se bat avec des arbalètes. Tout va bien. Voilà, on y va. Linkle! Linkle! Il paraît que le château d'Hyrule a été attaqué par des monstres. C'est terrible! Vraiment? Malheureusement, Zelda les affronte, mais si les monstres atteignent le village... Cette tenue! C'est décidé, je vais nous débarrasser de ces monstres! Ma grand-mère me disait toujours que j'étais la réincarnation du héros. Ouais, mais c'est parce que tu adorais te déguiser en héros. Regardez! C'est la boussole que m'a donnée grand-mère. Ça prouve sûrement que je suis l'héroïne. Je vais protéger Hyrule. Ah, ça y est, pardon. There once was a girl who lived in a small village. She led a simple life, tending to her flock of cuckoos. Her name was Linkle. For as long as she could remember, Linkle had believed in her heart that she was the hero reborn. One day, terrible news arrived at her village. Monsters had laid siege to Hyrule Castle. Linkle caught word of the monster's attack and immediately began preparations. She dressed the part in her green tunic. Equipped with her trusty crossbows and the ancient compass her grandmother had bestowed on her, Linkle set out from the village. This treasured compass and a crude map were all she had to guide her way to Hyrule Castle. In no time at all, she found herself lost. In a malevolent forest. An imp in a curious mask appeared out of nowhere and stole Linkle's precious compass. That compass, she knew, was proof of her destiny. She had to get it back. And thus began Linkle's first true trial. Ok. Ah oui. Ah oui, attendez. C'est vrai que là-dessus, j'ai changé quelques trucs. Ok, j'ai peut-être trouvé un truc pour mon problème de
Je sais pas, on verra bien. Alors, donc, Linkle, qui, armé de sa boussole et sa carte, est capable de se perdre, hein, vous l'avez vu, hein, voilà. Alors, et donc, il s'est retrouvé confronté à Skull Kid, qui lui a piqué sa carte, sa boussole. Ah, ok, d'accord. Donc, maintenant, j'ai carrément ma manette qui se déconne, magnifique. Bon. Ok. Je crois que c'est encore pire qu'avant. Alors. Il va vraiment falloir que j'essaye d'identifier le problème. Mais je crois que je suis la seule à avoir ce problème. Hein, parce que... J'ai posé la question à plusieurs personnes. Personne n'a jamais eu ce problème-là. Il n'y a vraiment que moi pour avoir ce problème. Magnifique. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye de déplacer le support de ma console. Je sais pas, je commence à imaginer plein de trucs. Hein, par là. Un gardien de la porte a rejoint. Ok. Allez. Alors pour l'instant ça a l'air d'aller. Oui, je vous tiens au courant au fur et à mesure si mes boutons continuent à déconner. Ah oui, la spécificité donc de Linkle, c'est qu'en général la plupart de ses armées sont c'est des cocottes. Parce que voilà, elle élève des cocottes dans son village. Et donc très régulièrement il y aura des cocottes qui vont spawn à certains endroits et il faudra les amener à... Un endroit sécurisé afin qu'elle puisse grandir. Et par contre il est parti de l'autre côté le cocotte je crois, ouais. Et ainsi justement me faire plus de soldats en fait tout simplement. Faut pas laisser le bébé mourir. Voilà, simplement. Par contre, j'avoue que pour le coup je suis plus sûre de me souvenir où est le réceptacle de cœur. Enfin le fragment de cœur. Merde, je me suis bourré de boutons là-dessus. Hop. Ok, donc le fragment de cœur, il est là, donc il me faut le réceptacle maintenant. Qui doit être dans un coin de la map. J'ai peut-être une idée d'où il peut être, mais pas sûr. Alors, le bébé cocotte, il est là. Allez, bébé cocotte. Il faut l'amener ici. Ah! Non. C'est ici que j'avais pensé. Voilà, donc il arrive ici, le bébé cocotte. Et normalement, il y a des ennemis qui vont spawn pour le tuer. Voilà, hop. Ok. Ensuite, j'ai plusieurs idées de où peut être le réceptacle de cœur. J'espère juste qu'il ne faut pas un objet en particulier pour l'avoir. Toujours des deux côtés pour être sûr qu'il n'y a pas de réceptacle de cœur. Donc,
Ah purée. C'est pas là. Je crois qu'on l'a trouvé. C'est d'ailleurs ici qu'on avait trouvé l'arc et les flèches quand on était avec Link. Donc, j'étais inspirée. Ok, il nous manque plus que la sculpture là qui devrait pas tarder à pop d'ailleurs au passage. Vu qu'on a mis l'ennemi. Ah bah voilà, il suffisait de demander. Alors. Ici. Elle est ici, on l'entend. Attendez, elle est ici. Ah, j'ai peut-être une idée de où elle est, attendez. Parce qu'elle va pas rester indéfiniment, donc faut que je la trouve très vite. Elle est là. Merci. Oh non, le deuxième bébé cocotte est mort. Tant pis. C'est des choses qui arrivent. Par contre... Hop. J'ai un peu oublié ce bébé cocotte. Ok, hop. Hop, hop, hop. Il est là. Hop là. Donc, il faut nous rendre du côté de Skull Kid maintenant, pour nous occuper de son cas. Évidemment, il s'est déplacé, c'est pas grave. Hop, voilà. On va aller prendre le dernier fort là-bas. Et puis on ira rejoindre Skull Kid avec l'ocarina pour se téléporter. Ok. Très pratique l'ocarina. J'arrive pas à me souvenir s'il était dans le jeu de base ou s'il a été ajouté avec le mode légende et puis la définitive édition. Ah
Alors, le bébé cocotte, t'es gentil, mais j'ai pas vraiment le temps là pour le coup. Je crois qu'il va. Ouais, il s'en va. Le bébé cocotte, il est derrière moi. J'en ai perdu un, on va essayer de pas perdre le troisième. Eh ! Non, attends que je te soigne ! Voilà. Je suis là ! Ok. Bébé cocotte, sauvé. Alors, Skull Kid, il est retourné dans la forêt sombre. Ah. Ma boussole, elle brille, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression qu'il perd plus de vie, mon Skull Kid. Donc, à mon avis. Ah, si. Ah bah c'est fini, voilà. Alors il y a un fort où on n'a jamais pu aller parce qu'il n'a jamais été ouvert, mais c'est pas grave, c'est le fort de la grande fée. Mais voilà, ça y est. Et j'ai plus de soucis avec mes boutons. Miracle ? Je sais pas ce qui s'est passé. Pour de vrai, alors je viens de pardonner. Je le pensais pas, la prochaine fois je perdrai pas, alors attends-toi à me revoir ma crétine. Voilà, donc évidemment... Oula. Il suffit que je dise ça et ça y est, mon joystick a déconné. Jusqu'au temps d'avoir récupéré ma boussole, elle est en route pour Château d'Hyrule. Oui, en route pour Château d'Hyrule. Je vous laisse admirer la cinématique de Linkle. Oui, elle sait très bien lire une carte. Linkle left her village, vowing to restore peace to Hyrule. In her hand, she clutched her grandmother's precious compass. But before long, a mischievous imp had stolen the treasured possession. Linkle chased down the imp. And try to retrieve the compass. And then something strange happened. As if in response to her struggle, the compass began emitting a mysterious light. It seemed to be reacting to her. Linkle recovered it, hung it from her neck, and vowed never to lose it again. The compass's light was quite a mystery to her. She didn't know what secret power it might hold. Whatever the case, it had to be a sign of her status as the legendary hero. If she could harness this power, perhaps she would fully realize her destiny and save Hyrule. Her faith renewed, Linkle continued her quest.
Alors, évidemment que Lincoln n'est pas la réincarnation de l'héroïne, hein, puisque elle ne possédera jamais la Triforce du Courage. Elle n'est pas un Link à proprement parler. Juste une enfant qui rêve d'être une héroïne et tout ça. Mais après tout, oh, je me le suis fait en mode normal. J'avais oublié de changer. C'est pas grave, je me le ferai en mode facile de mon côté, c'est pas grave. Sinon, voilà, ça c'est fait. Après, il faut pas oublier que pour une gardienne de cocotte, elle est badass, hein, la petite Linkle. Hein. Et puis, d'où lui vient cette boussole qui porte le symbole d'Hyrule? Qui était cette grand-mère qui lui a offert cette boussole? Voilà, ça reste à découvrir. Allez, je vous laisse là et on se retrouvera donc pour le prochain épisode qui sera donc la sorcière de la vallée noire avec Lana comme personnage. Ciao ciao tout le monde, bisous bisous.